Cependant, tout le monde dans cette chambre s'entend pour dénoncer les propos inacceptables du général Lawson. Mais simplement dénoncer ces propos n'est pas suffisant pour les trop nombreuses victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel dans les forces armées canadiennes. Un changement de culture est absolument nécessaire. Qu'attend ce gouvernement pour faire preuve de leadership et s'assurer que les recommandations de la juge Deschamps soient mises en œuvre dès aujourd'hui? The Honourable Private Secretary of the Minister of National Defence. Mr. Speaker, the comments by the CDS were offensive and totally inappropriate. General Lawson has retracted and apologized for these offensive comments. We expect the leadership of the Canadian Armed Forces to clearly and consistently convey a message of zero tolerance towards sexual misconduct. Mr. Speaker, General Lawson has announced his retirement, and the wheels are in motion for a change of command.